Quand Xavi lui-même considère que le Real les a surclassés en deuxième période, ça signifie vraiment que le Real a vraiment dominé le Barça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ces classiques. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, non pas de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Si téléphone est parti. Alors, Xavi en conférence de presse a dit que en deuxième période, le Real les a surclassés. C'est vraiment, ça fait mal de le dire. Je ne pense pas que Xavi le dit parce que il a envie de le dire, c'est que c'est la réalité. C'est un gars qui est honnête. Il n'a pas envie de dire que non, l'arbitrage, etc. Lui-même, il avoue la supériorité du Real. Il avoue la supériorité du Real. Et c'est hyper rare. Un classico, tu avoues que ton adversaire était supérieur. Ça fait mal, mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Le Real a surclassé le Barça en seconde période. Surclassé. Le Barça n'a pas existé mentalement, physiquement, même en termes de qualité de jeu. Le Real, on ne sait pas. Parfois, quand le match devient irrationnel, le Real est très fort dans ce genre de situation. Franchement, ne pousse pas le Real dans un match irrationnel. Dès que tu pousses le Real dans un match irrationnel, ils vont te gagner. Ils vont te gagner. Ils sont très forts. On l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à City, on l'a vu face à plein d'équipes Chelsea, etc. Donc, quand tu pousses le Real dans l'irrationalité, ils vont te gagner. C'est la première fois de voir le Real dominer aussi facilement le Barça dans un classico. Et Xavi l'a reconnu. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.